Le jeudi 5 mars 2015 a eu lieu la signature d'un partenariat entre l'ANDEF, l'ASAC et l'antenne Solidarité Lévézou Ségala. Alors, à quoi servent ces structures et pourquoi ont-elles tenu à établir un partenariat? Et donc, Denis Nègre, je suis le président de l'ASAC, groupe solidaire, de l'association d'insertion. Comprend trois activités principales. L'association intermédiaire qui permet à des gens en recherche d'emploi de travailler dans les entreprises, dans les collectivités ou dans les associations ou chez les particuliers. Le ASAC mobilité, mobile emploi qui permet de passer le permis de conduire et qui permet aussi d'étudier, de faciliter la mobilité des gens en recherche d'emploi. Et ensuite, DS12, qui est une association d'aide à domicile classique et qui permet aussi de travailler chez les particuliers. Et ensuite, on est aussi en contact avec la régie du territoire par convention. Jeannine Terral, donc je suis présidente de l'antenne Solidarité Lévézou Ségala. C'est un atelier chantier d'insertion basé à Cassagne-Bégonnies. Donc, on accompagne des demandeurs d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail, un CDD, et avec trois activités principales, du maraîchage bio, de l'entretien de santé pédestre et environnement espace vert, et un atelier bois à partir de la récupération de palettes. Donc, on a un agrément de l'État pour accompagner 12 personnes, 12 demandeurs d'emploi, dans le cadre d'un contrat de travail CDD. Donc, on leur permet donc de réfléchir à un projet ou de se former et de faire des évaluations en milieu de travail pour pouvoir trouver un emploi pérenne par la suite. Alors Jean-Dominique Giovannoni, je suis président de l'ANDEF, c'est une association nocelloise pour le développement de l'emploi et de la formation. C'est un point relais emploi qui est financé par la communauté de communes du Nocellois et par le FSE essentiellement, qui consiste à informer les personnes sur les moyens pour eux de se former ou de retrouver un emploi et de s'occuper de toutes les problématiques emploi que peuvent rencontrer ces personnes ou les entreprises de notre zone. Voilà, donc je suis Bénédicte Bascoul, je suis salariée donc de l'INDEF, point relais emploi de Nocelles. Et aujourd'hui, nous avons décidé de signer une convention de partenariat entre l'ASAC, située à Rodez, et l'antenne Solidarité Lévézou, située à Cassagne, et donc nous-mêmes l'INDEF, afin de renforcer nos moyens et d'être plus lisibles du public que nous visons, qui sont les demandeurs d'emploi en particulier et aussi les entreprises de notre territoire nocellois. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les dispositifs énoncés, n'hésitez pas à prendre contact avec ces structures aux adresses suivantes.